Créer le personnage. Sexe. Fait un homme ou une femme? Bah, un homme. Un homme. La tête. Sage Murphy. Little girl. Les Chinois. Quelle heure on dirait moi? Dis-tu? Oh non, plus comme ça. Ah. Comment j'ai dit? Poxy, non? Snake, Snake. Plus ce Snake. Gêné sur la barbe. Ouais, celui-là est bien. Foxy, il est bien. Couleur des yeux. Ouais. Curiosité, bûcheron. Sérieux? Routier. Sans barbe ou un petit peu. Sans rien. Sans rien. Tout réglé, mais quand je lance le stream, ça marche, mais les vues. Tout réglé, mais quand je lance le stream. On ne voit pas les jeux. Les touches, leurs fonctions, et voilà, je suis ingénieur. Ben c'est ça, t'as vu ça, le truc? Je ne sais pas, quand t'as lancé, quand t'as fait démarrer stream, il n'y a rien qui s'affiche sur Twitch. C'est ça que tu veux dire. Il est aussi chauve que moi. Hop, ah. Haircut. C'est jeune ça. Presse plaqué non plus. Cheveux. Pas gris? Ah si, y a gris comme. Voilà. Tout. Apparence. Taille du corps. Si un nom. Tatouage, ça peut être bien ça. Classe celui-là. Que la tête de mort, t'as vu? Où ça? Ça. Crapaud chips. Crâne traditionnel, magnifique ça. Les crânes de chaque côté. C'était du. Et si, tac. T'as bien créé tes scènes mythiques dans le truc? Toi, je vois. Départ 2, hop. Yeah. Recharger ça. Ça. Ah voilà, le pantalon. Tactique. Ça marche. Le jeans, non? Jeans, c'est mieux. Jeans blanc quoi. Classe. Chaussures. Chaussures de rang. Les de travail sont pas dégueu. Travail. Des bottines. Cause.
Il me faut pas de chapeau, grand. Soit. Sans. Surtout qu'après, je suis sûr, on sait plus en. Dage, cagoule. Sans rien. Faire la dure. Chapeau. Ah, peut-être une casquette à l'envers. Pas la casquette shite. La casquette comme ça. Classe comme ça. Voilà. Gros casque. C'est écouteur. Ouais. Écouteur. Quoi ce truc? Ten. Putain, on sait tout faire ici. Camelback. Prendre le camelback. Tout fin. Écrit comme ça, comme le. Voilà, cuisson. Il y a un crâne. 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 Voilà. Magnifique, il est tout beau, tout beau. Et classe ainsi, classe. Sauvegardez votre personnage. Changez votre. Et. Enter, oui. Voilà. Tu as le jeu et tout, mais. Le logo Shaitan. Je sais pas, il faudrait peut-être qu'on regarde ensemble si t'as mis les bons trucs, Mythix. Difficulté. Recrue, on va mettre. Oh, on va mettre recrue. Oh. Je sais bien que Shait a peur de rien, mais. Et là, il pète mon perso là. Hein. La classe, moi je dis. Toi, dans ton OBS, tu le vois, Mythix, que ton jeu il est sur l'écran. Peut-être augmenter le son. L'agent qui est mort. Vous étiez proche? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, Mythix. Pas mal graphiquement, scène. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. On te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class de Manaus. Eh, je suis là, c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du stop depuis Barranco au Pérou. Et toi, je. Monter dans des simples réglages, Mythix. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazone. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique. Si tu veux, on se mettra une fois ensemble sur un canal et on regardera ensemble les réglages. Voir ce que t'as mis et ce qu'il faut mettre. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. Il a du beau, garçon. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Je sais pas pourquoi, mais même Infinite Warfare, ça commençait aussi avec un hélicoptère. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si vous vous rappelez, les gars. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être souhaité.
bouche à couche. Installe-toi, l'ami. Une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chasse ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'Intera. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'opposent à l'Unidad et à la Santa Blanca. Tu vas bien, installe-toi, mets tes pantoufles, guys. Découvre Wildland ensemble. J'ai réussi à avoir une clé bêta. Mais lui tournait pas le dos, mais il risquerait pas. J'arrive Discord, j'arrive. C'est pour rester là. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Hey. Ça va bien les gars. Des centaines de balles. Merci pour le follow. Ça va très bien, très bien. De soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman? Voici Pak Qatari, chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. Merci, bouche à couche. Non, il y a plus urgent. On nous a grève, Amaru? Les grèves. Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça. Tout notre groupe est fondé sur ces idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je teste Wildland. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province. Un nouveau Ghost Recon de la Santa Blanca peut nous dire. Ah, ok. C'est Conférine Bossy. C'est hommes de l'ISA. Voir s'ils arrivent à trouver quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation. Parle tout le temps, j'ai envie de jouer, moi. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention de ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions. Moi, je me suis lancé dans mon reroll, l'autre, quoi. T'es lancé dans quoi? Dans mon reroll. Sérieux? Oui, ça y est. Ok, Yachel. Regarde-moi ça, Tom Clancy, Ghost Recon, Wildland. Déjà, c'est très bizarre la vue. Oh. Sauvetage à Maru, localisé en Santa Blanca. C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pak Qatari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaru. Je vote pour. Quand même beau graphiquement. Dans Battlefield, je sais pas conduire le véhicule. Je crois que c'est par là. Je suis lâche, flèche. Je vais ce truc. Bordel de bite à queue. Bordel de bite à queue, il dit. Excellent.
côté ici, dans la jungle. Troisième à grand. La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. Je vais venir. Détendre mes couilles. C'est bizarre. Je l'ai eu. Voir. Ah, ça va être gay sans PVP. J'ai mouru. Ah, prenez le tour des unités. Oh. Pas exceptionnel. Gameplay. Désabdé. Tirer dessus ou visiter. Et bim, cible abattue. Ah, qui soigne ici? Oh, c'est bizarre. Juste pour ça, c'est pas top. J'ai jamais accroché ces jeux. Quand tu joues comme ça sans viseur, ça va. Mais une fois que tu mets le viseur, là. C'est lui qui sait où se trouve Amaru. Hey, arrête ça, fous-lui la paix. Quédate quieto. Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain! Qu'est-ce que tu veux? Amaru, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, y a problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un peu de temps qu'ils vont crever. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Y a beaucoup trop en jeu. On y va. Prends la Jeep là, allez. Venez. C'est bizarre. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Calmez, grand. Une direction assistée, celle-là. Top non plus la conduite des bagnoles. Bien. Ouais. Oh oui. Capitaine,
c'est d'avoir bu 4 Morgan ici. Mode sans permis, mode d'une voiture qui va pas non plus. On arrive à Atolio Farm. Pas la direction assistée. Ces sicarios sont des anciens blindés. Identifiez vos cibles. Si Amarus prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. On se garer. Hop. Genre de GTA. Silencieux. Appuyez sur F pour fixer ou retirer le silencieux de votre arme. Utilisez ce point. J'ai des gars. Pendant un engagement, retirez votre silencieux pour infliger autant de dégâts que possible. Ok. Oh, le F, il fait un coup de crosse. On a donné un coup de pied dans la familière. Là-bas, c'est un sicario. Ok, ça va, on est tranquille. Le silo de mine. Ouais. Cible abattue. Là, on est plus rien. Et merde, on est grillé. C'est un hélicoptère, allez. Ça fait un max de loupiotes dedans. Puis sur shift pour monter accéléré et sur CTRL pour descendre. Puis qui aurait essayé comment... J'ai shift en usine. Oh lolo. Marché ça. Encore d'autres cibles, les amis. Tourne avant. Tirer. On va se poser sur eux, viens. Ennemi abattu. Ce truc. Amaru, ou plutôt ce qu'il en Amaru. Reste. Venez, on va vous sortir de là. Viens, allez, viens. Cible neutralisée. Viens, mon grand. Une bagnole correcte là-bas, allez viens. Tu me suis mon ami. Normalement il fallait faire ça discret, mettre le silence et tout ça. C'est poursuite ici. Attention c'est chaque conduit. Il n'y a pas de taxi O2 ici. En Bolivie. Type de troisième. J'arrive. Type de perdu. C'est quoi ça? Allez hop, on suicide. Pas compris, Chaitel comprend.
La non-confiance de l'otage, une bêta, le pauvre, combien de fois il va mourir? Ouais, mais il, tu vois, il me suivait, il a pas voulu me suivre en bagnole. Tu m'y es. Oh là, ici. Il s'est blessé. Oh, vision nocturne. Quoi, je dois aller à pied jusque là-bas maintenant? T'as la gueule, toi. Il est mort. Allez, venez, les gars. La bagnole, c'est loin. Loin. Sors de là, vite. Me force pas à employer la manière forte. Deux secondes, je prends le volant. Ok pour moi, on y va. Je commence à tirer. Pas du tout, j'aime pas du tout, je te jure, j'accroche pas à ce jeu. On va arrêter le test là, on va aller un petit peu sur WoW là. Ghost Recon, c'est pas le top, c'est pas le top, c'est pas le top. On arrête là, on arrête là. Dégoûté.